Bravo Mademoiselle, exceptionnel. Et vous aussi, hein. Exceptionnel. C'est des gens qui sont émigrés, oui, ils sont affranchis. Les gens qui sont émigrés, des gens artistes, des gens maintenant Paris dit bienvenue. Paris dit bienvenue à tous les gens comme ça, à tous les gens qui travaillent, à tous les gens qui sont très capables, à tous les gens qui cherchent l'art, à tous les gens qui cherchent la paix. Ça, c'est exceptionnel. C'est pour ça que oui, je suis très content aujourd'hui parce que j'ai. Je cherche le Paris que j'aime bien, le Paris culturel. Et je dégage de le Paris violon. Le Paris violon, c'est un Paris pas bon, trop de désespoir, trop de violence. Je cherche le Paris très culturel. Esto es lo que yo digo, bueno, que bienvenidas todas estas personas emigrantes que hacen arte, que aportan paz, que aportan amor. Porque París es amor y arte. París no es violencia, no es desesperación, es amor y arte. Te di Carlos Alberto Acosta Suárez. Se pone París a partir de 1920. Es formidable. Es París del arte, París del amor, el país romántico. Le París Lumière. Manon. C'est un Paris noir, un Paris agressif, un Paris trop violent, donc c'est possible de garder des islamistes dans la rue, des talibans aussi. Beaucoup de visages déformés pour la violence. J'ai dit beaucoup de choses, je ne parle pas espagnol. Le Paris que j'aime bien, que je quiero bien, est le Paris de l'art, de l'amour, donde hay paz, donde no hay talibanes en la calle, no hay islamistas en la calle. París de amor y de luz. Yo di Carlos Alberto Acosta Suárez, si vos le eché chancho, somos personas que salen a tu red social y metes Carlos Alberto Acosta Suárez para Tachi. Après Marie Le Pen, otro intento, París, defensa de la Iglesia Católica contra el terrorismo, Jerusalén, premio en Francia. Merci bien a tous, muchas gracias a todos. Te pongan también las fuentes en español que ya he dado, agregadas a mi nombre por separado en todas las redes sociales, de Google, YouTube, Facebook, Yahoo, Twitter. Merci bien.